équipe Fluminense a sont gagné Copa Libertadores sur Batbuka 2-1. C'est pour la première fois Fluminense gagné Copa Libertadores. Il est rentré dans l'histoire. Qu'est-ce qu'a entraîné Fluminense? C'est Diniz qui c'est sélectionneur Brésil. Mais c'est un sélectionneur par intérim. Parce que la presse brésilienne croit que dans Copa América, Brésil a gagné un autre sélectionneur. Et non qui puisse citer, même lui-même, il est toujours bouté en touche pour dire qu'il a un contrat avec Real Madrid, c'est Ancelotti. Et il y a une série de légendes dans le football brésilien qui voulait Ancelotti. Il y a des joueurs Brésil même qui en tant équipe Real Madrid là, qui parlent publiquement sur ça, ils ont dit qu'ils ont bien aimé Ancelotti, viennent entraîner Brésil. Ça veut dire nous, Ancelotti, c'est lui qui a cité. Mais quand il y a là, contrainte qui gagne dans le cas Ancelotti, Ancelotti n'a pas fait l'unanimité dans le pays Brésil pour l'autre bord dans les gens de pays. Soit dans la politique ou bien dans le sport. Le repose de Mario question sous Ancelotti, monsieur dit merde pour Ancelotti. Quitte Diniz travail. Nous connaissons monsieur son grande gueule, il dit merde pour Ancelotti, quitte Diniz travail. Le repose de la question sous Ancelotti, Lula nationaliste, se déclaré que Italie était sous deux non-participations en Coupe du Monde. Préférer Ancelotti à gérer le problème pays qui n'est pas capable de jouer Coupe du Monde que le vienne entraîner Brésil. Monsieur pas dans Ancelotti. Mais nous devons connaître politique c'est politique dans le pays ça, sport c'est sport. Là nous pas dans les 60 côté que la dictature l'a dominé toute partie était grand pays inclus sport. Là, nous avons une démocratie. Lula a toujours dit ça, mais la Fédération brésilienne, CBF, Confédération brésilienne, lui-même, c'est lui qui a pris la dernière décision. Mais comment est-ce qui est clair? Diniz, son personnalité qui est très appréciée dans le pays Brésil. Brésil a une exigence résultat. Brésil n'a pas gagné Copa América depuis 2019, il n'a pas gagné Coupe du Monde depuis 2002. Nous d'accord tout Brésil a un gros problème joueur lorsqu'on compare Brésil avec Brésil. Et Brésil tout a un leader d'attaque qui a une dimension que le Bajan a gagné comme joueur football niveau sérieux qui c'est Neymar. Et puis un série de jeunes qui sont capable de prendre dimension. Mais vous n'êtes là tout. Vous pas capable de demander un entraîneur qui a peine pour équipe pour toute bagaille était rose. Tout entraîneur, tout sélectionneur qui fait résultat, lui prend temps. Son travail qu'a fait, lui demande temps. Et même là, il était Ancelotti en 2024, si Ancelotti prend Brésil en 2024, Ancelotti a demandé temps tout. Donc, pas besoin de dire pour Diniz. Donc, tout sélectionneur, tout entraîneur, leur pour équipe, il demande temps. Maintenant, quand Ancelotti, il y a une complication de gain. Ancelotti a entraîné Real Madrid, il focalise sur Real. Exigence résultat. Ça veut dire c'est Real qui est en tête Ancelotti. Pression. Copa América en juin 2024. La presse brésilienne fait mention que Diniz a fini avec Brésil en juin. Donc Copa América pas prend Diniz dans Brésil. Quand il est là, Ancelotti c'est vrai tout le monde connaît tout le monde avec technologie. Mais bon, question de habitude, méthode. On n'est pas capable à préparer pour mal gagner en compétition. Et puis, c'est quelques jours avant compétition, moi pour un coach. Et si Brésil voulait bâtir mon projet, c'est vrai toujours une exigence de gagner en compétition pour Brésil. Gros bagay lan c'est prend éliminatoire lan ajouter à Copa América comme une préparation pour 2026. Kou
y a un capable dit tête yo. Préparation pour 2026 là capable commencer dans Copa America 2024 là à Ancelotti. Mais combat qui clair. Le Brésil gagne exigence si besoin gagne compétition. C'est quelques jours avant compétition pour ta grand entraîneur. Il n'est pas digne de sa Brésil représenté parce qu'il vient paraître une obsession faut que c'est Ancelotti pour gagner en de Copa America comme quoi Ancelotti qui gagne baguette magique pour faire Brésil champion Copa America. Bah quoi ça? Parce que tout résultat m'a demandé ça prend temps, c'est un projet. L'espoir qui aboutit avec résultat ça, c'est son période, il prend baf en 2006. Ah bon esprit qui prend continuité en ouais résultat. Argentine qui fait résultat que nous ouais là, Scaloni c'est intérim, Scaloni dit. Et pas nouvelle là. Argentine qui plus passé 50 matchs par contre défaite. Imaginez après Copa América 2019 là, Fédération Argentine Football t'a dit que OK, nous pas que Scaloni. C'est pas garanti non, t'as pas résultat ça gagne là en 2022. Argentine c'est meilleure sélection que dans le monde. Moi jugeais que CBF là trouvait dans situation tête chaud, meilleur bagarre là c'est Biden instant. Parce que s'il pas ton bon entraîneur, certainement pas gagner Copa Libertadores là. Et son personnalité qui est très appréciée dans le pays Brésil, ça veut dire mon Brésil apprécie monsieur. Pour qui ça m'a pas le temps pour nous véritablement ouais pour développer projet là comme entraîneur. Parce que l'entraîneur lui-même, il connaît le peuple là. C'est un petit Kembe, le Vingembe. Il y a un total engagement pas gagné. Mais l'entraîneur a un projet durable, un projet concret. Engagement vient plus oui par rapport à si lui connaît que son petit temps l'a fait. Et pour moi, vrai projet CBF là de gagner c'est Baïdiniz temps comme entraîneur pour bâtir quelque chose avec sélection brésilienne.